Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et le coup d'envoi a donc été donné. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Je crois qu'on sera tous les deux d'accord pour désigner le Français Karim Benzema. J'adore l'énergie qu'il met dans son jeu. Il n'est pas du genre à fuir le combat. Et en plus, il est très adroit. Il devrait donner des sueurs froides à la défense adverse. Oh, je vais pas vous contredire, c'est vraiment un grand attaquant. Bien joué, ça ! Rudiger, qui cherche la profondeur. Dans la profondeur, bien vu. Il tire. Szczęsny, superbe arrêt. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Premier corner dans cette rencontre. Il est là pour dégager. Un peu d'oxygène pour Sadef. Quelle occasion, attention ! Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Ça doit faire but ! Il tente sa chance ! Voilà l'ouverture du score ! C'est rare de voir une telle puissance, c'est spectaculaire aussi. Et qu'est-ce qu'il a bien frappé dans la balle ! Les gardiens n'avaient aucune chance. Et ça fait donc 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. L'occasion, on peut... Oui, la frappe ! Ça passe à quelques millimètres à droite. C'était un tir plus que correct, ça méritait sans doute un meilleur sort. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bien, la profondeur. Oh, attention! Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Cristiano Ronaldo! Et la défense pousse un gros ouf de soulagement. Un bon pressing des attaquants, et voilà comment on passe de défense à attaque, c'est bien joué. Mbappé, Griezmann, coup franc pour la Juventus. Smalling, Mbappé, ça sent la Mbappé. Quelle parade de Gea ! Le ballon dans la profondeur. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ça joue long. Rudiger, belle intervention. Il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. C'est joué dans la profondeur. Rashford ! C'est bien fait, ça. De Bruyne. Dans la profondeur. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Un petit but, c'est par les deux équipes, 1-0 à la pause. Et
Et le coup d'envoi de cette seconde période. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Il allonge le jeu. Bonne interception. Il y avait danger. De Bruyne. Et ils essaient de repartir de derrière. Sterling. De Bruyne. Griezmann. Smalling. Griezmann. Sur la gauche. Sterling. La bonne passe. Peut-être une occasion pour Griezmann. Il manquait pas grand chose là. C'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là. Et ils le savent. Alors s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Attention la frappe. Et c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Et ben dis donc, c'était chaud. C'est joué dans l'espace. Bonne lecture de la trajectoire. Messi. De Bruyne. Cherche la profondeur. Allez, c'est dangereux. Oh, il bute. Il bute. Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il se démarque bien, fait le bon appel, mais sans défenseur en face, c'est trop facile. It's a piece of cake. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Griezmann. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. La longue passe. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Quelle séquence de passe. Collectivement, c'est parfait. C'est joué long. Il peut frapper. Et voilà, but. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Et c'est quasiment suicidaire. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Il cherche la profondeur. Van Dijk. Cristiano Ronaldo. De Bruyne. Cristiano Ronaldo. Griezmann. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Bonne intervention. La Juventus manque un peu d'inspiration là. Les joueurs font bien tourner le ballon, mais ils ne trouvent pas la faille. On joue sur l'aile, il est servi. Une autre chance. Oh, il avait tout senti, quelle parade. Oh, ça aurait pu être leur 4e but. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. C'est dégagé. Il s'est attaqué, ça on savait, mais il sait aussi défendre. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. La passe dans la profondeur. Il n'est pas en jeu. Le bon ballon. Smalling. Ils sont bien concentrés, regardez ça. Encore intercepté. Mbappé. Il cherche son coéquipier. Cristiano Ronaldo. Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Ouais, les défenseurs ont souffert, énormément souffert aujourd'hui. C'est vrai qu'en face, ils ont trouvé une équipe qui avait envie d'attaquer, qui avait envie de faire mal. Elle y est largement parvenue. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre ?